Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, la Corse est la région métropolitaine la plus pauvre de France. Pour faire le point, j'ai avec moi le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt, bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. On le sait, la Corse possède un palmarès inquiétant. Un peu plus de 20% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Comment explique-t-on ce phénomène ? On est sur un territoire pour lequel la souffrance d'un grand nombre de concitoyens est plus importante qu'ailleurs parce que il y a probablement un affaiblissement d'un certain nombre de systèmes de solidarité publique avec de l'éloignement, de l'isolement, du non-recours aux droits et aux services, des gens qui ne bénéficient pas des droits sociaux auxquels ils peuvent prétendre, des gens qui ont le sentiment d'être abandonnés, d'être livrés à eux-mêmes. Et c'est pourquoi la stratégie nationale qu'a annoncé le président de la République met le paquet, l'investissement total, concret, sur l'accès aux droits, la simplification, l'automatisation de certains droits, mais aussi toutes les politiques qui renforcent les liens humains, qui renforcent la prévention, pour le plus jeune âge par exemple, pour notre jeunesse, mais aussi tout l'accompagnement, notamment l'accompagnement des plus fragiles. Je pense par exemple aux personnes âgées qui se sentent isolées, qui se sentent sans aucune ressource, sans aucune aide. La pauvreté, c'est pas qu'une question monétaire, c'est aussi une question parfois de ressources sociales, de ressources de liens. Nous allons investir sur ces moyens-là. Et alors justement, vous l'avez évoqué, l'accès aux droits, c'est paradoxal, région la plus pauvre. En même temps, la préfète de Corse évoquait il y a peu le fait que la région était l'une de celles qui avait le moins recours à ces aides sociales. Est-ce que c'est une méconnaissance ? Oui, c'est souvent le fait que les gens ne connaissent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre. C'est lié aussi parfois à l'éloignement de certains services sociaux, de certains services publics. Nous allons donner à la collectivité, aux services de l'État, aux caisses de sécurité sociale, des moyens supplémentaires pour favoriser cet accès aux droits, aller vers les personnes, créer des solutions itinérantes, renforcer les moyens humains sur le terrain. On est dans un moment où nos concitoyens doutent de l'efficacité des politiques sociales. Il y a l'impression qu'il n'y a plus de prise sur la vie quotidienne des gens, que finalement les plans successifs se succèdent et que rien ne change. Tout l'enjeu de la stratégie, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour que ce soit les acteurs de terrain qui portent les solutions concrètes. Il y a des enjeux de mobilité, notamment très importants en Corse, ces enjeux d'isolement qui sont liés à la géographie évidemment de l'île. Tout cela, il faut que ce soit les acteurs corses qui puissent construire les réponses. Et l'État mène des moyens. Et autre spécificité, est-ce qu'on peut lier cette paupérisation au fait qu'il y ait une forte activité saisonnière ? Oui, l'activité saisonnière, c'est une chance parce qu'elle est évidemment génératrice de richesses pour l'île, mais ça peut être un piège pour un certain nombre de personnes. Donc là aussi, ça suppose qu'il y ait des modalités d'accompagnement, notamment sur toutes les politiques de l'emploi, les politiques d'accès à la formation qui soient renforcées. Ça tombe bien, c'est exactement ce que propose la stratégie de lutte contre la pauvreté, avec aussi des moyens très importants pour les familles monoparentales notamment, les femmes qui aujourd'hui ont le sentiment, elles aussi, d'être livrées à elles-mêmes. On est dans un temps où on a besoin de reconquérir de la confiance et de l'efficacité, de s'ancrer dans le concret, d'aider par exemple l'accès à l'alimentation pour les enfants qui viennent le ventre vide le matin à l'école. Il va y avoir des petits déjeuners dans les prochains mois. D'aider l'accès à la cantine pour les communes qui ne parviennent pas à financer une tarification sociale. L'État va les aider à mettre en place cela. Payer moins cher un certain nombre de produits essentiels, notamment dans l'alimentation infantile, du tout petit. Tout cela, ça fait partie des mesures concrètes que les acteurs de terrain, que les acteurs corses vont pouvoir déployer. Olivier Noblecourt, merci d'avoir été notre invité.